l'Union africaine demande la suspension des poursuites de la CPI à l'encontre des dirigeants kényans. Le chef de l'État Alassane Ouattara était à Addis Abeba en Éthiopie où il a participé au sommet extraordinaire de l'UA. Il a regagné Abidjan hier soir. La météorologie spatiale a une nouvelle spécialité pour comprendre et prévenir les impacts néfastes des événements solaires sur l'environnement terrestre. Elle a été enseignée à une quarantaine de chercheurs et d'étudiants. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, 98% de jeunes filles sexuellement actives ont révélé ne pas utiliser de préservatif lors de leur premier rapport sexuel. Un risque important de propagation du VIH-Sida, sans oublier le facteur économique. C'est le dossier du dimanche. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19h30. Procès de la CPI à Addis Abeba, le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine n'aura pas finalement abouti à un accord de retrait des pays africains du traité de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Les participants du sommet d'Addis Abeba demandent l'ajournement des procédures de la CPI contre le président kényan Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. En clair, il était question de protéger les chefs d'État africains démocratiquement élus. On écoute le président Ouattara. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays et surtout que ces événements datent d'il y a plus de 4 ans et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément d'ailleurs au statut de Rome, à son article 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique qui est confrontée au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le West Gate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont secoué cette région de l'Afrique. Alors, le sommet, pour ce faire, a approuvé la création d'un groupe de contact pour entreprendre des consultations avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur les 5 pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Donc, je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes, nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. Protéger les présidents africains démocratiquement élus de toute poursuite de la CPI, mais aussi protéger l'environnement terrestre de tout impact néfaste des éléments solaires. Et ça, ce n'est pas l'Union africaine qui le fera, mais plutôt la météorologie de l'espace, une nouvelle spécialité. Elle est enseignée à une quarantaine d'étudiants et de chercheurs étrangers et ivoiriens. Cette spécialité vise à former des chercheurs de niveau international en vue de prévenir les effets néfastes du soleil sur les systèmes biologiques et les infrastructures technologiques. Les éruptions solaires envoient dans l'espace des masses importantes de particules, ce qui perturbe l'environnement terrestre et affecte le déroulement de certaines activités, notamment la navigation aérienne. Pour prévenir donc les impacts d'une éruption solaire sur les infrastructures technologiques, une nouvelle spécialité a été créée, la météorologie de l'espace. 20 étudiants et chercheurs ivoiriens et une vingtaine de scientifiques de plusieurs pays ont participé à la 3e édition de l'école Atelier sur la météorologie à l'ex-ESIE de Bingéville.
Une opportunité qui vise à renforcer le potentiel des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences spatiales dans les universités. Toute chose qui va favoriser les transferts de technologies nord-sud et rendre les universités ivoiriennes plus performantes. Plus de 3% des jeunes de 20 à 24 ans sont séropositifs en Côte d'Ivoire, selon l'OMS en 2012. La jeunesse cible privilégiée du VIH-Sida veut tourner le dos à la pandémie. Une campagne de lutte contre le VIH est donc menée auprès des jeunes de Bondoukou. L'opération de sensibilisation a été lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida et celui de la promotion des sports et des loisirs. Hamza Diaby nous en dit plus. En Côte d'Ivoire, 22 000 enfants âgés de 15 ans et plus et 63 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont infectés par le VIH selon l'ONU-SIDA. Des chiffres alarmants qu'entendre voir à la baisse le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et celui de la Santé et de la Lutte contre le SIDA. Ils comptent y arriver en créant les conditions d'un environnement sain. À Bondoukou, une délégation des deux ministères ainsi que les autorités politiques, administratives et la chefferie traditionnelle ont lancé l'opération Une jeunesse saine, protège-toi. À travers conseils, sketchs de sensibilisation, séances de dépistage et distribution de contraceptifs, ils ont attiré l'attention de la jeunesse sur l'existence de la pandémie du sida. Une action qui va se poursuivre par une série d'activités tout au long de l'année dans la région du Gontougo. L'opération sera suivie d'une campagne de dépistage du VIH-Sida sur une population juvénile estimée à 2 millions d'individus. Des actions considérées comme un pas vers l'objectif zéro infection. À l'étranger, au moins 30 personnes ont trouvé la mort hier matin dans un accident de la circulation à Tiko au Cameroun. Deux véhicules sont entrés en collision et l'un des véhicules transportait des employés d'une entreprise camerounaise. Terrible accident de la circulation au Cameroun, à Tiko, sur l'axe routier Douala-Limbé. 40 personnes tuées et 60 autres blessées à la suite d'une collision entre deux camions, l'un transportant le personnel de la société CDC, une plantation de bananeraies Delmonte, l'autre un chargement de sable. Une centaine d'employés étaient parqués debout sur la plateforme du camion, dans de très mauvaises conditions. La vitesse serait à l'origine de l'accident. En septembre, sur cette route, 15 personnes avaient elles aussi perdu la vie dans un autre accident. Et puis sachez que des troupes supplémentaires seront envoyées en Centrafrique pour renforcer celles déjà présentes dans le pays. Une annonce faite par le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, lors d'une visite à Bangui. Laurent Fabius demande aussi l'organisation d'élections libres début 2015 en Centrafrique, des élections auxquelles le pouvoir actuel ne pourra pas participer. Le procès de 72 indépendantistes zambiens accusés de haute trahison a été reporté. Ils risquent la peine de mort. Les prévenus, pour la plupart issus de la tribu des Lozi, ont été arrêtés en août lors d'un vaste coup de filet contre le mouvement indépendantiste de cette province pauvre de l'ouest du pays. C'est sous haute surveillance qu'ils ont quitté le tribunal de Mongo, à 600 km de Lusaka, entassés dans des camions de la police et applaudis par des sympathisants. Accusés de séparatisme et de trahison, les 72 partisans de l'indépendance du Barotseland ont été arrêtés en août. Leur procès, qui a commencé le 2 octobre, vient d'être ajourné au 25 octobre. Nous voulons maintenant mettre en place notre propre administration au Barotseland. Le Barotseland doit devenir un État libre. C'est ce que nous recherchons. Et rien dans le monde entier ne pourra nous empêcher de libérer le Barotseland de la Zambie. Le Barotseland a été rattaché à la Zambie en 1964, puis a été rebaptisé Province occidentale. Cet ancien royaume, devenu protectorat anglais, avait pourtant signé avec le premier président zambien Kenneth Kaunda un accord d'autonomie. C'est en s'appuyant sur ces engagements que le mouvement indépendantiste mène son combat. La population majoritairement de l'ethnie Lozi se plaint d'un sous-développement entretenu par le pouvoir central et d'une répression accrue. En Russie, 20 militants de la cause homosexuelle interpellés à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays, lors d'une manifestation. Une vingtaine d'interpellations samedi à Saint-Pétersbourg, en Russie, suite à une manifestation de militants de la cause homosexuelle prise à partie par des orthodoxes anti-gays. Les manifestants dénonçaient l'homophobie de plus en plus forte en Russie.
En juin, le gouvernement a promulgué une loi condamnant la propagande de l'homosexualité auprès des mineurs, mais les défenseurs des droits de l'homme estiment que sa formulation trop vague ouvre la porte à une répression accrue contre les homosexuels. Sachez que les députés russes se préparent à débattre dès le mois de février une nouvelle loi anti-gay qui retirera leurs droits parentaux aux homosexuels en raison de leurs orientations. Le cyclone Phaeline, le plus violent, a frappé l'Inde depuis 14 ans, a fait au moins 14 morts selon un bilan provisoire. Le mouvement d'évacuation de plus d'un million de personnes avant l'arrivée de la tempête a limité les dégâts. La mer est toujours agitée sur le littoral de l'état d'Orissa. Dimanche matin, après le passage du cyclone Phaeline, les habitants contemplent les dégâts. La veille au soir, des vents dépassant les 200 km/h se sont abattus sur les côtes orientales de l'Inde. À cause du vent qui a soufflé hier, à partir de 6h du soir, il y a eu beaucoup de dégâts. Les arbres et les plantes sont déracinés et cassés. Les villages sont inondés à cause des pluies. Et certaines maisons sont endommagées. Il y a aussi des routes bloquées. Anticipant le danger, les autorités indiennes ont entrepris la plus grande opération d'évacuation de l'histoire du pays. Samedi, plus d'un million de personnes situées dans les zones en danger ont été déplacées. Dans cette école située à 30 km de la côte, 200 villageois attendaient le passage du cyclone samedi soir. Je suis venue m'abriter du cyclone. Mon fils et sa femme ont dû rester à cause du bétail et de toutes nos affaires, mais je ne sais pas s'ils vont bien. Grâce à ces évacuations, on dénombrait dimanche à la fin de la journée seulement une quinzaine de décès, un bilan qui pourrait augmenter. Certaines zones sont complètement isolées depuis le passage du cyclone. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a déployé un grand nombre de personnes pour mener les opérations de recherche. Environ 2300 membres de la Force nationale de réponse aux catastrophes, dont des secouristes médicaux et d'autres techniciens munis d'équipements sophistiqués pour gérer les opérations de recherche et de secours. Le cyclone a été particulièrement violent sur une bande de 150 km le long des côtes. Il a progressivement perdu de son intensité après avoir touché la terre. Les autorités incitent cependant la population à rester vigilante, notamment en raison des risques d'inondation. Place au dossier du dimanche. De plus en plus de jeunes filles ont plusieurs partenaires et les défis financiers les amènent à avoir des relations sexuelles non protégées. Conséquence, infection par le VIH-Sida. Lors de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille en Côte d'Ivoire, l'accent a été mis sur cette situation des peines pour vous par notre reporter Laetitia Mangli. Cité des six lièvres, c'est ici dans ce quartier de Yopougon que débute une journée ordinaire pour Laurence. La jeune fille de 19 ans partage cette pièce de fortune avec son mari et sa fillette d'à peine un an. Un cadre de vie peut être précaire mais acceptable selon l'adolescente qui était auparavant sans domicile fixe. Ces nuits, elle les passait chez le partenaire du jour car elle en avait plusieurs. Après la crise, mon nom était enlevé. Mais c'est pas comme il faut faire parce que de moi, on est obligé de chercher un gars partout de gauche à droite, voir de moi-même. Laurence est aujourd'hui reconvertie. Cette jeune mère d'une fillette de 14 mois n'a plus 5 partenaires, mais plutôt un seul avec qui elle est d'ailleurs en ménage. Et son commerce de pâtes de bœuf occupe désormais ses journées. Comme Laurence, bien d'autres jeunes filles ont décidé de changer de vie grâce au programme Supergo. C'est le cas par exemple de Kadi et d'Estelle qui sont toutes deux commerçantes dans la commune d'Abobo. Avant, en tout cas, je m'occupais beaucoup des garçons. Je me promenais beaucoup derrière les garçons parce que cet argent peut me rapporter quelque chose. Je me suis réalisé qu'il n'y a vraiment rien dedans. Je suis arrivée ici grâce à ma mère. Elle travaillait ici. Je suis venue aider les jeunes à déterrer les charbons. On vend ça aux femmes là. Elles payent ça à 1500 francs. Donc on prend ces 500 francs pour se défendre un peu. Avant, je ne faisais rien. Je suis là, c'est dans les rencarts, je partais. Bon, si les rencarts, par exemple, croisés aujourd'hui, je m'en vais, me donne 1000 francs. Et les rencarts, peut-être connus aujourd'hui, me donne 2000. C'est comme ça que je vivais. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que tout ça, ça ne pourrait rien m'apporter. Avoir une activité rentable et être à l'abri du besoin, c'est possible et elles l'ont bien compris.
Cependant, de nombreuses jeunes filles à Abidjan ne doivent encore leur survie qu'à leurs multiples partenaires. De ce fait, elles s'exposent au VIH-Sida qui touche en ce moment 220 000 femmes dans le pays, selon des récentes données de l'OMS. La Journée internationale pour la jeune fille, célébrée ce 11 octobre, est l'occasion de tendre la main à ces jeunes filles financièrement vulnérables à travers le programme SuperGo. Le but de ce programme, c'était de donner aux filles une capacité à se prendre en charge sur le plan moral, c'est-à-dire la capacité à dire non, à accroître l'estime de soi, n'est-ce pas, et surtout promouvoir la fidélité, la réduction du nombre de partenaires pour celles qui n'avaient pas démarré les rapports sexuels, l'abstinence, et ensuite éviter le multipartenariat et surtout ce qu'on appelle le sexe transactionnel, c'est-à-dire avoir des rapports pour l'argent. La Journée internationale de la jeune fille, initiée par les Nations Unies, est la première du genre en Côte d'Ivoire. Cette journée vise à reconnaître les droits des jeunes filles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien, notamment l'analphabétisme, conséquence directe du multipartenariat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 12h30.